Bonjour amis confinés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Animal Crossing et nous sommes au jour 24 de notre aventure et cette semaine normalement il doit se passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs j'en profite de ce live pour dire que j'avais annoncé qu'aujourd'hui il y aurait un jeu sur mon île et qu'il fallait s'inscrire tout ça, mais j'avais oublié aussi qu'il y avait l'événement qui s'appelle la journée de la Terre, qui était, alors normalement aujourd'hui, il paraît que ce sera demain. Moi j'ai eu une mage de la Switch en 10.0.1 ce matin. Par contre, je vois que la version du jeu, elle, n'a pas changé, donc on va voir si ça a changé des choses sur le jeu. Mais c'était aussi pour dire que ce jeu donc était reporté à mercredi prochain. Et je vous mettrai dans les vidéos YouTube, donc le report de ces vidéos qui sont sur YouTube, qui seront sur YouTube, un lien pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir participer et gagner des clochettes ou des petits cadeaux, des trucs comme ça. Et essayez de vous inscrire par deux, parce que ça a toujours une compétition entre deux personnes, donc ça peut être un peu plus sympa de jouer contre un pote en live, voilà. Je vous remercie, on va commencer cette vidéo après ce petit passage d'information et on va passer aux informations de Marie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit Marie aujourd'hui? Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce mercredi 22 avril 2020, il est actuellement 10h46 sur notre belle Lily Island. De plus, c'est l'anniversaire de Faustine aujourd'hui, c'est vrai. Un très bel anniversaire. C'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse journée. Ah bah apparemment non, ça sera pas la journée de la Terre aujourd'hui. Pourtant, il paraît qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place. Pas un petit coup de fil, bah si, parce que j'ai mis des petits trucs hier. Hein. Pas grand chose, mais bon. Allô, Mélie de la boutique Nouille à l'appareil. On a effectué un virement de 6296 clochettes pour ce que tu as laissé dans la boîte de dépôt. Merci d'utiliser le service. À bientôt dans notre magasin. On a surtout hâte que le magasin s'agrandisse. Allez, on va aller voir notre courrier. Super. C'est tout. Ok, alors qu'est-ce que nous a envoyé Miles? J'ai plein de fleurs parce que comme je suis en train de déplacer plein de choses, un réverbère. Ah mais c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'ai acheté. Bah y'a qu'il y a du monde sur la place aujourd'hui. Oui, il y a Lico pour ceux qui étaient là hier. Lico donc a rejoint la famille. Et alors il doit être blanc celui-là, je le modifierai à l'occasion si besoin. Est-ce qu'il faut que je les allume moi-même? Non, ils arrivent. S'allumeront sûrement avec la nuit. Donc Lico fait partie de la famille maintenant du village. C'est cool. Salut, tu vas bien, Totoon? Le printemps à Lily Island, c'est la saison du bonheur. Profite, Nico. Mince. Non. Oh, vas-y. Arrivant de l'île déserte, qu'on l'appelle. Si tu veux mon avis, c'est trop long pour devenir tendance. On vendra plus de t-shirts en s'en tenant à Lily Prune. Donc voilà, je suis en train de paver un peu, urbaniser le secteur. Donc on a notre copain là qui nous vend de la maroquinerie. Et beau papillon. Première chose, on va aller voir le cours du navet chez nous. Tac tac, tac tac. Alors. Sois le bienvenu à la boutique Nook. Non, non, l'herbe à chat, non. On voit après pour vous acheter des trucs. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir vendre. Alors. Ouh.
Et ben c'est pas énorme. Hein. Moi, depuis le début du jeu, j'ai des taux de revente de navets, mais tout pourri. Alors, je note ça, voilà, dans... Comme je vous ai dit, déjà, je teste des petits programmes qui sont censés donner une évaluation des possibilités de gains qu'on pourrait avoir. Alors, là, il y en a un qui me dit, par exemple, que je vais passer une très mauvaise semaine. Et puis, il y en a un autre qui me dit que jeudi après-midi, peut-être, à 13%, j'aurai entre 180 et 540. Bon. Ouais. C'est pas non plus hyper folichon, hein. Non, les données pour quoi, les statistiques, les évaluations ou ce que vous voulez pour les navets chez moi en tous les cas, elles sont pas très 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 réjouissantes. C'est bizarre ça. Je peux pas. Hop là. Je peux faire ça. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai des choses à leur vendre? Tac, 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 tac. Ouais, on peut vendre ça. Ça, certainement pas. Ça, oui. Ça, oui. Ça, je l'ai coupé, donc oui. Hein. Ah, il y a un calamar là qui traîne. Vas-y, ça. Le reste. Ah non. Certainement pas. Ça, c'est en pot, donc je peux. Pot. Pas en pot, pardon. Ok, c'est bon. Et voilà, je peux te racheter. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Bon, là, ça pousse en sauvage de partout. C'est n'importe quoi. Je me rappelais même pas avoir mis des tulipes. Ah, quoique, peut-être, je sais plus. On va aller voir ce qu'il y a chez les sœurs doigts de fée. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ah, il y a une veste un peu façon Lico. Est-ce qu'elle me parle aujourd'hui? Oh Nico, tu as l'air en forme, voilà qui fait plaisir à voir. C'est très gentil de passer nous voir aussi souvent. Nous qui n'avons même pas une tasse de thé à t'offrir, avec quelques gifs, griffes en plus dans la boutique, je pourrais prendre le temps de papoter un peu plus avec toi. Voyons que. Ah, Ticket, voilà, la révélation sur Ticket qu'on avait rencontré. Voilà, je ne risque pas d'oublier avec toi, mais tu as raison, Layette. Je vais arrêter de me plaindre. Je ne suis pas très disponible, Nico, mais j'espère que tu continueras à venir nous voir. Mais tu veux pas me donner un truc? Layette et moi, nous sommes très reconnaissants. Hein? Allez, on l'harcèle. Ok, bon bah ça sera pas encore pour aujourd'hui. Ouais. Attends, je vais aller voir la copine. C'est Karen, je crois, elle. Oui. Ok, bon, elle est chelou. Allez, on va voir un petit peu ce qui se vend dans la boutique. Ouh. Bah ouais, pour aller avec le... J'ai acheté un chapeau de marin la dernière fois. Je prendrais sûrement une veste. Fais voir comment elle sent celle... Non, pas celle-là. Salut Minéfest 12 et merci pour ton follow. Non, elle est cool celle-là, je vais la prendre, je pense, après. Ah, il y a d'autres kimonos. Je sais pas si c'est celui-là que j'ai déjà. Après, je peux prendre dans d'autres couleurs, mais le noir, il me plaît mieux quand même. Caisse de baseball, la barbiche, ça je l'ai déjà. Ta, ta, ta. Ah, les petites tongs pour aller avec le kimono. Alors, on va pas prendre le kim parce qu'on en a déjà un.
On va prendre déjà cette veste-là et après on viendra prendre la tenue de marin. Oh, il y en a déjà pour un petit paquet, hein. Mais je t'en prie. Allez, on va rechercher l'autre veste. Il faudra un t-shirt blanc, je pense aussi. Voilà. Mais je pense pas qu'il y en ait un ici. Ah, il y avait en violet aussi, il était sympa. Oh oui, tiens. La classe intégrale, quoi. Ok, bon, bah on prend ça. Oui, dans mon panier. Non, je ne veux pas le porter maintenant. Et c'est fait, on a fait nos emplettes de la journée. Ah, bien, j'ai dit que j'allais acheter des trucs à Amélie et Mélo. Ciao! Alors, qu'est-ce qu'ils vont... Bah non, mais... Pourquoi je vais leur poser la question? Ah tiens, l'article phare du jour, on n'a pas regardé. Le feu de joie. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est pas très compliqué à fabriquer. Non, je veux t'acheter des choses pour que ta boutique grandisse et soit hype. Ouais, vas-y. 500, c'est ça, ouais. J'achète. Je vais en faire une collection, je crois, des boîtes à mouchoirs. Alors ça, bon, bah j'en ai déjà un, mais c'est pas grave, hein. C'est pour la bonne cause, c'est pour avoir une plus belle boutique. Et pareil, le ventilo, j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Pire, ça sera des cadeaux pourris que je ferai aux gens. Tiens, un ventilo. Voilà. Allez. Merci, merci. Ben, merci à vous, hein. Ok, donc on fait notre petit tour. Je vous montre un peu ce qu'il en est. Donc là, on a mis des petites barrières, je mets les petits arbres, des trucs. On va... Lico... Ah mince, elle est dehors, je voulais aller voir comment c'était la déco chez elle. Je suis en train d'installer au fur et à mesure. De toute façon, les maisons vont bouger certainement. C'est pour ça qu'il faut absolument que je vende tous mes navets à un très bon prix. Parce qu'il va me falloir énormément de mailles pour tout bouger. Donc, on est là, on est là. Hop. Salut Broken Tom Tom Russe et merci pour ton follow. Hop. Salut Galaxy Killer. Ça va? Bah oui, et toi? Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais juste... Nye. Ah, voilà. C'est juste une petite modification. Non, je veux pas ça. Je veux... Ah. C'est une blague. Non, je ne voulais pas ça. Je galère. Mais laissez-moi tranquille. Pas vous, hein. C'est mon logiciel qui me fait des siennes. Voilà. Je fais quoi? Bah je... Au hasard, je joue. Je joue Animal Crossing. Non, je sais pas. Ça paraît pas forcément une évidence comme ça en me regardant, mais... Hop là.
En fait, là, j'essaye juste de mettre la bonne taille. Voilà. La piste de chat. Et ce qui fait que je n'avais pas vu tous les gens qui me parlaient. Il est 11 h. Ouh, il y a des fruits là-bas. Ouh, des fruits. Donc, ouais, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à bouger. Là, je me suis tapé un petit triple labyrinthe. Ah. Tac, tac, tac. Ça dépend, ton service, s'il est financier, non. Là-haut. Oh, le trou à pognon. Du bois. Du bois, t'en as partout. Alors, hop. Papa, papa, papa. Je vais mettre, bah, je... Oups, je vais mettre 10 000. Non, non. Et voilà. Bon, c'est pas grave. Où les beaux papillons. Donc ouais, c'est en train de se transformer pas mal. Faut que j'isole pas mal de choses. Que je voudrais exploser le moins d'arbres possible aussi. Hein, tant qu'à faire. Donc il va y avoir des zones un peu plus végétalisées, des zones un peu plus urbanisées. Ouais, les fossiles. En ce moment, de toute façon, les fossiles que je récupère, ce ne sont que des doubles. Je n'arrive plus à avoir de fossiles originaux. Ah, pour l'instant, non, les roses. En plus, elles sont pas endémiques chez moi. J'ai dû les acheter chez quelqu'un d'autre. Donc, pour l'instant, elles sont en pleine reproduction. Moi, malheureusement, mes seules fleurs endémiques, c'est ça, les chrysanthèmes. Un élevage de fourmis, ça donne quoi? Ouais, une fourmilière quoi. Allez, on va aller se chercher notre petit. Tiens, on va quand même regarder ce qu'il a aujourd'hui. Salut l'ami. Tiens, je rêve de un. Hop là. Mais est-ce qu'à un moment il va ouvrir une boutique ou pas? Tiens, hop, ça je prends. Ouais, c'est bon, j'achète. Bon, on va regarder. Oh, c'est le sac de Roi Exploratrice, ça. Il y a la technique hein, pour les guêpes. Hein. Déjà quand tu secoues les arbres, c'est toujours avoir ton filet. Et bah tiens, bon exemple, hop. Et tu te mets juste en face de l'arbre pour le secouer. Et avec A. Et bah comme ça quand le truc quoi, le nid de guêpe apparaît, tu te mets face à lui. Quoi, il se met automatiquement face à lui. Et comme tu spammes la touche A, bah tu l'attrapes direct. Ah, c'est NDUTS, c'est parce que ma chaîne YouTube c'est Nicolas Dutz, DUTSZ, Dutz. Tout simplement, mais tu peux dire Dutz
Ou à la base, mon pseudo c'était Monsieur Oui, mais. Ah, mais ouais, non, faut pas couper les arbres comme ça. Tu les secoues. Je sais pas si tu veux en secouer une dizaine comme ça. Tu les secoues, tu les secoues, tu les secoues. Et après, tu vas les couper. Déjà parce que tu vas récupérer du craft. Tu vas récupérer. Quoi? Tu vas récupérer peut-être des pièces ou des meubles, puisque les arbres non fruitiers donnent des meubles. Et puis après, bah, tu re-récupéreras du craft en les coupant. Mais jamais agir comme ça, sinon tu vas te faire piquer à chaque fois. Après, bon, ça va, tu vas pas mourir, mais bon, t'as une sale gueule, quoi. Je regarde sur les fleurs blanches parce que souvent on a des menthes orchidées sur les blanches. Enfin, c'est pas souvent, c'est à spawn sur les fleurs blanches. Donc, il n'y a pas de souci. C'est peut-être moi, l'angoisse. Mince. Je suis peut-être ce fameux prof. J'espère que c'est un prof sympa. C'est un prof de quoi? Allez, on va vendre ça, on va se débarrasser de ce qu'on a dans les poches et on va aller se faire une petite île mystère. Ah! J'aurais pu! J'aurais pu être prof de SVT, effectivement, en plus. Mais non, j'ai fait autre chose. Ouais. Les deux oranges, c'est ce qui va coûter le plus cher dans le truc. Yep. Faut que je change le cadre de mon truc là, de ma cam. Hein. Parce que je trouve qu'il est trop écrasé. Allez, Nook Stop pour récupérer un ticket Nook. Par hasard, vous auriez pas des bons taux de revente de navets chez vous? Non, juste si vous avez un bon taux de revente de navets, dans ce cas-là, je serais heureux. Mais c'est tout. Là, j'essaye de terraformer, donc je vais pas commencer à remettre des trucs et des machins partout. Peut-être après, mais pour l'instant, c'est plutôt les navets qui m'intéressent. Quoi, les navets. Revendre les navets à un bon taux qui m'intéresse. 142, c'est un peu bas. Enfin, moi ce matin 65 ou 69, je sais plus, donc t'as un meilleur taux que moi, mais quand même. Été imprimé, super. Non, là c'est au-dessus de. Le mieux, ça serait au-dessus de 400. Le plus terrible, ça serait au-dessus de 500. Ah si, j'ai oublié d'acheter un truc très important. Dans le Nook Shopping.
Non, certainement pas ça. Ça, c'est lequel? Ah, je ne l'ai pas. Donc, on va le commander tout de suite. Ok. Allez, on est bon. On va juste vider nos poches. Ah, aussi, bientôt, on va... Alors là, on est plein au niveau des habitants, mais on va certainement changer... Parce qu'il y en a un ou deux qui me cassent un peu les pieds. Donc, voilà. On va certainement changer un ou deux habitants. Donc, si vous avez des préférences ou des idées de personnages qui pourraient venir habiter à la maison, bah, au village, n'hésitez pas à me faire des suggestions. Moi, j'ai quelques idées, mais bon, après, à voir. Allez, on entrepose tout ça. Ah non, ça, je peux pas. Ça, je peux... Non, je... Oh. Voilà. Ensuite, ça. Le reste, il va falloir que je le plante. Et j'ai pas besoin d'avoir deux filets sur moi. Ah, je connais plus son nom, c'est un lion riche. Là, comme ça, je vois pas, mais... À voir. Attends, je réfléchis en même temps. Ce lion, il y en a quelques-uns, mais je vois plus lesquels. Allez, on plante, on plante, on plante. Est-ce que j'ai la place pour le dernier? Oui, c'est bon, on a fait le vide. On va poser. Non, je dis on va poser. On va poser le lance-pierre qui va pas nous servir des masses. Ranger. Placer. D'accord, bah je regarderai. Mais est-ce qu'il donne de l'argent? Ça serait le plus intéressant quand même. Je me suis installé aussi un petit jouet en plus là. Alors, je sais pas si ça va fonctionner parce que là j'aurais pas le retour pour le coup. Est-ce que c'est parti? Et c'est parti. Bah écoute, je verrai ça. Effectivement, ça peut être intéressant. Alors, oh, des pains. Par contre, rassure-moi, ça s'est arrêté, oui, normalement. J'ai aussi celui-là qui me donne une voix un peu plus sexy, non? Allez, voyons un peu cette île.
Oh, une belle île standard où il n'y a rien. Des petites pêches. Je crois que j'ai un abonnement aux îles standard en ce moment. Oups, je me suis trompé. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je pourrais au moins, hein, quand t'as une île de merde, tu devrais pouvoir au moins avoir une pépite. Parce que franchement, c'est abusé. Tiens, je sais plus qui voulait du bois, bah. C'est toi, je crois, non? Ah non, c'est Galaxy Killer. Ah bah là, il y en a plein de bois. Allez. Mince. Ouh, j'ai failli le louper celui-là. Tac, 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 tac. Non, je voulais pas ça, mais c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je récupère ici? Sérieux. Ouais, à part. Allez, vas-y. Là, j'ai un stock de mauvaises herbes pour faire du remède pendant un an encore. Hop là, hop là. Salut The Geek Troopers et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, c'est ultra passionnant, hein. J'aime me faire des îles standards tout le temps. Allez, allez, allez. Je la veux, ma pépite d'or. Hein. En tous les cas, bah, pour la vidéo YouTube, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien. Là, je vais finir quand même le stream avec, avec cette île. Mais pour YouTube, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Je te dis à très bientôt. Ciao!